Et bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, un petit carton encore. Qu'est-ce que ça va être? Allez, tac. Alors, un super emballage déjà, hein. C'est vachement sympa. On a directement vu sur le produit. L'emballage est vraiment bien réussi, de bonne facture, hein. Ça se voit tout de suite. Ça donne un effet de qualité qui est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est, hein? C'est des petits écouteurs Bluetooth que vous allez pouvoir porter. Donc, c'est pour moi un petit cadeau pour ma femme, puisqu'elle aime bien faire du jogging. Donc, je vais acheter ces petits écouteurs Bluetooth. Elle va pouvoir courir avec ça. Allez, c'est parti, on déballe. Donc, la marque, c'est Upel. Hein, U2PEL sur Amazon. Vous allez pouvoir acheter ça. Je vous mettrai dans la description le lien pour pouvoir aller le chercher. Donc, voilà. Il est livré, hop, dans une boîte. Donc, j'ai pas envie de le casser, je vais tirer doucement dessus, voilà. Donc, hop là, voilà. Donc, vous avez deux petits écouteurs, hein, qui sont reliés par un petit câble. L'écouteur de droite a un petit interrupteur. Donc, c'est vraiment tout petit, hein. Faut y aller avec l'ongle pour l'ouvrir. Ici, hop, on vient l'enlever. Donc, ici, vous avez une micro USB pour venir charger votre écouteur. Hop, on vient refermer et c'est de nouveau étanche. Là, vous allez pouvoir monter et baisser le son. Et là, pour naviguer, à mon avis, dans les menus. Hein. Donc, on va venir ouvrir. Il est livré avec un petit sachet. Je vais essayer d'ouvrir proprement. Donc, c'est pour un cadeau. Ça serait embêtant de... Voilà. Comme ça, je pourrais le recoller par la suite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le petit sachet? Donc, il y a encore un petit câble. Hein. Un petit câble micro USB, USB. On a une notice. Other Guide. Donc, japonais, anglais, va-t-il y avoir français? Non, il n'y a pas français. Bon, bah c'est pas grave, vous débrouillerez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sachet? Vous avez des petits caches. Hein. Pour ceux qui se lavent jamais les oreilles, vous pourrez toujours le changer et faire un roulement. Voilà. Et bien sûr, un truc super sympa, un petit sac de rangement, hein, que vous allez pouvoir emmener votre casque partout comme ça. Hop, il sera à l'abri. Donc c'est un petit sac de rangement, hein, qui est un peu grillagé, qui laisse respirer le casque. Vous allez pouvoir aussi répondre au téléphone avec ce petit casque. Ah, super sympa. Donc je vois un peu dans la notice. En fait, si jamais vous les faites tomber, hein, que vous n'en êtes pas rendu compte, par exemple ici dans votre poche, etc., ou sur votre oreille et puis que ça se barre parce que vous faites un sport un petit peu violent, les écouteurs vont prévenir, hein, par des lumières et par du son. C'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir monter le volume, baisser le volume, mettre sur play, sur pause. Vous allez pouvoir répondre aux appels, tout ça depuis vos écouteurs. Hein, vous allez même pouvoir faire du transfert d'appel, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir faire du multipoint, c'est-à-dire vous allez pouvoir connecter plusieurs appareils en même temps sur sur les écouteurs. Hein. Si jamais pour un appel par exemple, vous avez deux téléphones portables, vous pourrez répondre à l'un ou à l'autre directement. Ils seront chacun connectés sur vos deux téléphones portables, ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui ont un professionnel et un perso. Donc voilà, donc les écouteurs, tac, on va essayer de les mettre. Hop, donc ça vient se glisser derrière l'oreille et ça vient, je pense, derrière, voilà. On pourrait mettre le fil aussi devant, hein, c'est pas un problème. Et voilà. Et là, je peux vous dire que ça tient bien et ça tombe directement dans les oreilles. Hein. Donc c'est léger, hein, ça se... franchement, on les sent plus au bout d'un moment, je pense. Il n'y a pas de problème, on peut aller courir avec, faire des folies de notre corps. Je plaisante. Hein. Non, je pense que ça peut le faire. Pour aller courir, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le son des voix sont en HD. La version Bluetooth, c'est du 4.1. Avec ça, vous pouvez aller faire du sport, il n'y a pas de problème. Donc, le casque Upel, hein, vous le retrouverez sur Amazon. Je vous laisserai dans la description le lien pour y aller. Donc, voilà, hein, dans la pléiade de casques, celui-là a plutôt un bon son. Je l'ai testé. Pour aller courir, c'est largement suffisant.
vous allez pouvoir répondre au téléphone, vous allez pouvoir tout faire en courant, hein. Pour les fanas, les mordus de bureau, ils seront toujours connectés, il n'y a pas de problème avec celui-là. Donc le petit casse UPL, hein, il est plutôt pas mal, vous pourrez le retrouver sur Amazon, je vous laisserai le lien dans la description. Pour le prix, franchement, il n'y a pas d'hésitation, le son est plutôt bon. Donc je vous dis à une prochaine revue high-tech, et je vais essayer de vous trouver des trucs sympas. Allez, bye bye!